bienvenue sur ma chaîne. Je vais enlever mes lunettes parce que sinon ça fait des reflets. Normalement j'ai déjà posté une vidéo où je vous ai souhaité bonne année, mais bon, au cas où, parce que je sais pas si je pose d'abord celle-là ou celle-ci, au cas où, je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère que cette année on va enfin arriver à nos objectifs que l'on s'est fixé, parce que l'on prend toujours des résolutions et on s'y tient pas. J'espère en tout cas qu'on arrivera à nos objectifs, qu'on se donnera du courage mutuellement pour y arriver, en tout cas parce qu'on a besoin de motivation, on a besoin d'arriver à enfin faire ce que l'on veut et de toucher du bois en fait le succès que l'on se souhaite à chaque fois. Donc j'espère que vous et vos familles vous portez bien, parce que franchement le variant Omicron est en train de déferler sur toute la planète et c'est une vraie catastrophe. Ça ne l'aide personne. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes touchées par le Covid. Donc j'espère que ça va chez vous, j'espère que vos enfants, vos familles, vos parents et tout le monde se porte bien. Protégez-vous surtout, parce que parfois ça laisse vraiment 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 des dégâts. En tout cas profitez de votre famille, vraiment c'est l'essentiel, hein, la famille, d'être bien entouré et vraiment d'arriver à nos objectifs que l'on s'est fixés. Trêve de blablabla, on va passer à la vidéo qui nous intéresse. Donc je vais vous poster une vidéo sur ces mèches. On en parle un peu, hein, de la beauté de la perruque. Je vous dis, en ce moment je suis à fond dans les perruques 5-5 là, vous voyez, que des closures et tout. À un moment c'était démodé tout ce qui était closure et tout, parce que ça se voyait tellement que c'était faux, et on est passé au tout ce qui est laisse frontal. Mais franchement je sais que ça dépasse beaucoup d'entre vous de devoir les poser, surtout au niveau des tempes et tout, de devoir dégarnir et tout ça. Et les fabricants de perruques l'ont bien compris et ils nous envoient vraiment, ils fabriquent vraiment des perruques qui sont déjà customisés, qui sont déjà tout ce qu'on faisait avant de poser la perruque, ils l'ont déjà fait et je pense qu'ils s'adaptent très 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 bien au marché. Alors cette perruque vient de la marque Yolissa Hair, comme vous le voyez à l'écran. C'est une indétectable LED HD en 5-5, en closure 5-5, 24 pouces, et la taille de la cape c'est medium, donc j'ai pris M, et la densité 180. La densité énorme, elle s'est tombée, la perruque elle est pleine en fait. Je ne pensais pas que ça allait faire aussi plein, parce que je pense qu'il y a, je connais pas toutes les densités, je voulais mettre là, mais je me suis dit bon, celle-là je veux vraiment qu'il y ait du volume énorme, et franchement là j'ai abusé. Moi je suis pas trop perruque bien lourde, bien fournie et tout, mais je pense que 180 c'est vraiment beaucoup 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 pour moi, je trouve. Surtout que je l'ai pris en 24 pouces et je trouve que c'est tellement long. Vous imaginez si je lisse ça en plus, ça va faire vraiment long. Mais j'aime beaucoup la qualité. Là je n'ai rien fait sur la perruque, comme vous allez voir dans la vidéo. J'essaie un peu d'enlever, un petit peu de dégarnir, parce que moi j'aime bien quand c'est vraiment bien dégarni au niveau de l'arrêt. Mais voilà, la mèche elle est d'une excellente qualité. Franchement j'ai du mal à me dire oui j'aime plus les perruques de chez telle que de chez telle, parce que je trouve que tout le monde fait des efforts pour fournir vraiment des cheveux humains vraiment très très bien. En plus au prix où on les vend, hein, franchement il manquait plus que ça. Donc vraiment j'aime beaucoup au toucher, c'est lisse, c'est soyeux. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas lavé, je l'ai posé directement. Ça n'a pas une odeur de mèche. Souvent quand on reçoit les mèches et tout ça, une odeur vraiment d'usine et tout machin, on est obligé de les laver parce que sinon ça sent trop fort. Et là non, pas du tout, donc ça ne sentait rien, j'ai envie de dire. J'ai eu quelques petits cadeaux, j'ai eu comme vous l'avez vu aussi, les bandeaux pour bien attacher, j'ai eu un bandeau en plus, j'ai eu une paire de fossiles, mais qui est vraiment fossile drama, donc je vais la donner à Charlotte, ma soeur, je crois qu'elle aime bien les trucs comme ça. Et puis voilà, donc on va passer à la pose qui est vraiment très simple, hein. Là pour ce genre de perruque c'est une pose très simple, et voilà, ensuite je vais me maquiller dans une vidéo que je posterai sur une autre fois, parce que sinon la vidéo va être très 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 longue, et puis voilà, et on en reparle de ces mèches là. Thank you.
Donc voilà, comme vous le voyez, la perruque vraiment trop bien. J'ai pas fait grand chose, hein. Je pense que ça te voit dans la vidéo. Maintenant c'est tellement facile à installer. Moi je vous le conseille si vous n'y arrivez pas avec les perruques qui des full lace, voilà. Prenez des 105. Il y a même des petits ici où il y a que l'arrêt au milieu. Et en plus ça, elle est assez grande. Vous pouvez faire l'arrêt sur le côté parce qu'il y a encore du tulle jusque là, comme vous l'avez vu. Vous pouvez mettre l'arrêt sur le côté et l'ouvrir comme ça. Et franchement, trop bien. Trop bien. Je sais pas quoi vous dire, d'autre, mais je pense que vous le voyez vraiment à l'écran. C'est vraiment une mèche d'une excellente qualité, tout simplement. Et j'aime bien ce qu'ils font en ce moment. Donc, ma perruque vient de chez Yolisa Hair. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et en plus, ils font beaucoup de promos, tous ces gens-là, puisque voilà, ils veulent qu'on achète et tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis toujours ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous souhaite vraiment, comme je vous l'ai dit, une excellente année 2022. Et puis, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Bye!